On est quand même un trait d'union entre la ville de Fontenay et le massif forestier de Mermoz-Ouvent. On a, je dirais, une situation privilégiée. Et on a constaté qu'il y avait beaucoup de promeneurs le week-end notamment, et pendant les vacances. Donc de créer des sentiers supplémentaires, c'était un atout. Et donc la liaison entre Pissotte et Lorbris était un peu compliquée. Il y avait la traversée de la rivière. Alors, deux possibilités, soit créer une passerelle, soit créer un bac à chêne. Le bac à chêne nous a semblé beaucoup plus judicieux, puisque c'est agréable, et puis la nature s'y prêtait, puisqu'il y a un cadre, il y a tout. Donc on a choisi le bac à chêne.